les rétrophones. Aujourd'hui, la petite vidéo porte sur les Dragon Ball. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite liste non exhaustive des différents Dragon Ball disponibles. Donc en premier, je vais vous présenter les capsules de Mega House. Donc les capsules, elles sont vendues en boîte de 7, donc pile le nombre de boules de cristal. Et donc chaque capsule a un design de boule de cristal en plastique. Donc en 2014 est sorti ce set Dragon Ball et Radar. Donc il y a les 7 boules avec un petit radar au milieu. Ce sont des boules rebondissantes. Le format est un peu plus petit que la taille réelle. Donc, ensuite voici le set Winter Gift de Banpresto, donc Krakenic Banpresto. Donc il est sorti en 2015. Donc ce set voilà, était pas trop cher, par contre effectivement comme vous pouvez voir sur les photos voilà, la finition est pas top, donc c'est une espèce de plastique creux, un peu cheap quoi. Et donc voici les modèles que je vais vous montrer aujourd'hui, donc fabriqués par Bandai. Donc ça c'est le modèle miniature, voilà. Le coffret assez sympa, ça fait propre hein. Voilà. Hop, le fond. Je sais pas si vous voyez sur la vide, le fond 3 cm. Voilà. C'est sympa, c'est une espèce de plexiglas. Hein. Voilà, c'est propre. On voit pas de soudure ou quelque chose comme ça. Donc voici pour le format miniature. Et donc il existe les mêmes. Je vais y arriver. Un peu plus gros. Voilà. Ah oui, ça rentre même pas dans l'objectif chez eux donc. Voilà, un petit comparaison. Et donc celles-ci sont en taille réelle. Effectivement ça pète de suite. Donc on va en prendre une. Voilà. Vous voyez ce que ça donne dans la main. Je pense pas avoir des petites mains spécialement. Donc c'est plutôt pas dégueulasse. Voilà. Donc des items très sympathiques. Hop. Voilà, ça fait 7 cm genre. On va les comparer par rapport aux petites. Hop. Voilà. Donc voilà, des trucs bien cool quand même. Donc à mettre un display chez vous dans votre collègue, ça rend très bien. Voilà. Donc à savoir que celles-ci en taille réelle, elles sont dispo aussi en coffret individuel. Et donc dans les coffrets individuels, on a une boule au hasard. Voilà, je vous mets l'image. Hein. Et voilà, donc c'est comme ça que se termine cette petite vidéo. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. Et voilà pour finir cette petite vidéo, donc dans ce petit bonus, vous verrez aussi donc que les Dragon Ball au Japon, vous pouvez en trouver dans la rue, dans des distributeurs. Allez, ciao!